Marc Gossens ici dans la voiture ProSpeed, la Porsche GT2. Venez avec moi pour un tour sur le circuit de Spa-Francorchamps. Voici le premier virage, un freinage assez fort pour l'épingle de la source en deuxième vitesse. On accélère, troisième, quatrième, cinquième vitesse, c'est la descente vers l'eau rouge. Un virage qui est assez connu dans tout le monde, je pense. Très rapide ici en cinquième, on prend la compression au pied du radio et puis on remonte sur les vibreurs gauche et droite pour bien garder la vitesse pour monter la sixième ici sur la ligne droite pour arriver au comble, la première chicane. Au bout de cette ligne droite, on freine plus ou moins à 110 mètres, on descend les rapports jusqu'au troisième, on passe sur le vibreur à l'intérieur tant qu'il n'y a pas de trafic. Donc il faut bien regarder les rétros ici dans ce virage parce que c'est un freinage assez important pour les poteaux aussi. On vient de passer les combes, on descend pour le virage de Bruxelles. Vous allez voir ici la Peugeot qui me dépasse à l'intérieur. Et voilà, je reprends la corde. Donc assez difficile ici sur Francorchamps avec une soixantaine de voitures, avec tout le trafic. Il ne faut pas uniquement voir ceux qui sont devant mais aussi derrière. Et voilà, on descend vers le double gauche. On arrive en cinquième. Quatrième, on prend la corde et si vous voulez, il y a deux virages ici qu'on prend comme un seul. Donc on a deux apex, deux fois qu'on passe à la corde, mais le mouvement du volant c'est un seul. Et voilà le pif paf comme on dit ici en Belgique, à droite puis à gauche, bien garder la vitesse. Accélération en troisième, on monte la quatrième vitesse. Voilà, dégradé jusqu'à la troisième de nouveau et puis il faut essayer de remettre le gaz le plus tôt possible ici parce que ce virage là il est presque à fond, pas à 100% mais presque. Et puis il y a toute la ligne droite pour les deux virages Blanchimont, tout ça c'est à fond à 100%. Donc c'est important de bien garder la vitesse et vous voyez j'essaie ici de prendre la speed de la Ferrari qui est devant. On passe le deuxième du Blanchimont, on passe sur les vibreurs à l'extérieur. Et puis un des freinages les plus durs, plus forts ici pour le bus stop. Et on prend à droite et gauche. Voilà encore une proto qui me dépasse. Et puis de nouveau une importante accélération pour finir ce tour rapide à Spa-Francorchamps.